Bonjour YouTube. On va jouer à Monster Hunter, mais pas le même. Merci. Non, scam pour l'instant, je vais essayer tout seul. On va voir ce que ça donne. Vous pouvez recevoir toutes sortes de bonus. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi du jeu. Ça, c'est la boîte du jeu. Ça, c'est l'absence de mode d'emploi. Capture la connerie. N'oubliez pas de prendre des choses à un moment choisir, de savoir se reposer et reprendre des forces. Oui, oui, c'est bien de prendre des pauses. Moi, je suis contre, mais c'est cool. Hein. Ah oui, on m'a parlé du nouvel add-on avec des trucs gelés et tout. Je savais pas que c'était déjà sur Switch. Bonjour madame. Bonjour Miaus. Ah, c'est la Team Rocket en fait. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de faire ça sur un lac à peine gelé? Parce que je vois rapidement comment ça pourrait mal tourner votre histoire. D'accord, Miaus est en train de péter un plomb et est devenu Dark Miaus. Ah Deus, je cacherai pas que j'ai vu chez Micromania un Cabela Switch, un jeu de pêche Switch, avec les petits attachements à coller sur le Joy-Con à chaque fois. J'ai hésité, mais non. On fera du Just Dance avant de faire ça sur cette chaîne. Jamais joué à un MH avant. J'ai joué à Monster Hunter World. J'ai pas mal joué à Monster Hunter World. Mais je n'ai pas joué au MH classique. Enfin si, j'ai essayé un sur 3DS. Ça devait peut-être être le 4, mais j'avais moyennement accroché. Mais en même temps, c'était avant de faire World et peut-être de comprendre beaucoup de choses. Le 4 Ultimate, possible. C'est quoi cette crevette? Pardon. C'est quoi cette tension sexuelle déjà présente? Attention, chute de chat. Bonjour! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai rien compris. Minutes 50 d'intro, sympa. Ah bah voilà, au moins on va comprendre ce qui se passe. Putain, ça me rassure. Ah non, j'avais peur là. Pour jouer au quête téléchargé, vous devez obtenir les dernières données depuis contenu additionnel vers le menu principal. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette police de caractère de merde? Pardon. Pourquoi il y a deux polices différentes quand je passe d'un menu à l'autre? Quelle est la différence entre création et nouveau départ? D'accord, ça c'est New Game, ça c'est New Game Plus. Très bien. Bonjour Soccer 85. Bonjour Patacrêpe. Patacrêpe. Pour la reine, âme de qualité. Le nom du personnage, ben à ton avis, connard, hein, on va pas non plus y passer la semaine. Hein. Voilà. J'espère que la création de personnages va autoriser des choses. Je qualifierai de funky et fraîche. Bon, déjà une fameuse, hein, ça c'est une obligation.
pour aimer regarder des belles choses. Hein. Visage. Ah. Bonjour, excusez-moi, Elton Ferragut, Alsace France, ils ont toutes la même gueule. Je confirme. Voilà, on va prendre ça. Oh, est-ce que vous avez blanc comme un cul de laitier comme couleur? Bonjour. Pardon, je suis désolé. Ah, d'accord. Ok, donc le plus blanc comme un cul de laitier que vous avez, c'est ça. Très bien, bon, bah on prend. Hein. Oui, les yeux violets, ça me paraît normal. Non, ça c'est hors de question. Coiffure, voilà. Là, on commence à rentrer dans les choses intéressantes. Que des putains de coiffures de perso de Final Fantasy. D'accord, très bien, c'est tout ce qu'on a en stock. Ah, le stick gauche et le stick droit font la même... Et les... Le stick droit et le pavé directionnel font la même chose. Intéressant. Oui, ça, ce sera très bien. Est-ce que je peux sélectionner la couleur? Je peux pas sélectionner la couleur des cheveux. Ah, si, Y. Qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Pêche? La rousse fluo, une pêche? Voilà, bon, une rousse, hein, merci d'avance. Très bien, oui, oui. Vêtements. Pas spécialement l'intérêt, vu que de toute façon on les verra plus au bout de 2 minutes, mais ok. Ah oui, oui, ça c'est oui. Oui, ça c'est un grand oui. Ça c'est un grand oui, ça va à Baltar. Hein. Très bien. Très bien, là on tient un concept, on tient quelque chose qui me satisfait, au boulot. Ah, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini, ça ne fait que commencer. Le style de guilde et le style de prédilection des membres de la guilde des chasseurs. 2 arts de chasse, une variété d'attaques. Oui, sans doute. Relativement accessible. Voltigeur pour esquive aérienne, alchimiste taillé pour le soutien. Faire face à toutes les situations facilite le remplissage de la jaune d'âge. Vous pouvez changer de style en cours de jeu. Ah, ça c'est l'information qu'il me fallait. Ok. On va prendre guild, vu qu'ils me disent que c'est parfait en tout type de situation. Oh là là, mais qu'est-ce que vous posez comme question, vous? Attaque circulaire, qui tranche tout. Évasion en vrille. Empêche temporairement la stamina. On va prendre ça, et on va prendre ça. Voilà. Bonjour PMM. Voilà. Et là, déjà, les vêtements que j'ai sélectionnés, on les voit déjà plus. C'est parfait. Voilà, merci. Pendant qu'Acha est en train de se lustrer le manche du marteau. Oui, bah Tom la pomme, si j'ai envie de chasser des monstres en sous-vêtements, je peux le faire. Et si j'ai envie de garder les propriétés de mon armure pendant que je me balade en sous-vêtements, j'ai le droit de le faire aussi. Ça monte quand même. Qu'est-ce qui vous amène? Ben, j'ai acheté ce truc 29 balles dans ce truc-là, donc j'aimerais m'enseigner. On va servir la... Wicademy. D'accord. Salut Bigger Noob! Bonjour à toi! Les origines de la mystérieuse structure de calcaire se trouvant auprès de la montagne. Voyez, ce qui est en train de vous défoncer votre montagne, c'est ce calcaire. Avec Calgon, à chaque lavage. Et campement au vu le jour, là, formant ainsi le village de Ben. Excusez-moi, j'ai pas demandé la putain d'histoire de ta vie, je veux juste savoir ce qu'on branle. Au chercheur en chef, vous le trouverez le long du chemin. Porte une blouse blanche. Expliquez tout ce qu'il y a à savoir. Et vous trouverez un endroit où dormir. On n'est pas logé dans cette pension.
Et si elle sera votre maison? Ok. Un coffre avec tout un assortiment d'armes, utilisez celle que vous voulez. Ok. Parlez au valet pour accéder à d'autres options. Après, on cherche un chef, hein. D'accord. Donc, tout d'abord, pourquoi je marche à deux à l'heure? Merci C2J d'avoir rejoint à nouveau le club des viewers Super Platinum, ce qui fait la différence entre les enfants et les hommes. D'accord, donc je peux switcher de trucs ici directement. Okay. Équipement, apparence. Je peux pas. C'est vrai que moi il dit qu'il y avait 400 armes dans ce coffre. J'ai l'impression de me faire arnaquer. Bonjour José. Miettre, je suis le valet engagé par l'année. D'accord. Tiens, votre entreprise fournit de nombreux services. Film ou une cinématique. D'accord. Quête unique pour le contenu téléchargeable. Le point très important. Ouvrez grand les oreilles. Ok. Avant de quitter le jeu, utilisez le lit pour sauvegarder. Ah! Vous en avez une chaise. Pensez à classer les objets. Oui, d'accord. Ça se tient. Ah bon. D'accord. Parfaitement. Merci. Je suis content d'avoir récupéré tous ces bonus pour des choses que j'ai pas faites. Ah mais j'ai déjà accès à des emotes perso, c'est juste que j'en ai pas fait. Parce que bon... voilà quoi. Nous n'avons pas encore... comment dire... Le Ailton Ferragut Cinematic Universe n'est pas encore assez grand. Ah, j'ai plein de choses. Carnet des bébés. Carnet montre la croissance des bébés monstres. Des potions, des méga potions, du miel. Des coupons. D'accord. Des œufs. Très bien. Ok. Le pire, c'est que je sais déjà à quoi certaines de ces choses servent. Mais je crois que je pouvais choper une arme là-dedans. Bon, peut-être qu'il faut que je trouve le chercheur, ce qui va ouvrir le machin du truc de... Bah, cassons-nous. Voilà. Peut-être que je vais trop vite en besogne. Bonjour. Mais vous ne m'avez pas l'air aussi intello que j'imaginais, c'est pas grave. Ok. Excusez-moi, petit souci de casque. Des charges de responsabilité en cas d'accident. Ça sent bon déjà. La frontière jurassique. Ah bah on est dans le Jura, d'accord. On va aller faire un tour à Delémon. Et cet immense bâtiment blanc qui se dresse au pont du Monin. Là, là, centre de recherche. Immense bâtiment blanc. Quel immense bâtiment blanc. Je suis complètement bigleux ou... Est-ce que je vois des rochers? Je vois des ballons? Je vois pas un immense bâtiment blanc. Ok, vous savez quoi? On va dire oui. Le magistère de la guilde, allez vous inscrire dès que possible. C'est pas tout ça les choses à faire. Occupez de la paperasse. Quant à vous, présentez-vous au chef. Il aura peut-être du travail à vous proposer. Est-ce que tu es le chef, Mona? Ah non, c'est l'hôtesse de l'air. D'accord. Ok, d'accord. C'est le même système que... Oui, d'accord, très bien. C'est quoi ton merde pas? D'accord, ça c'est exactement le même coffre que ce que j'ai de l'autre côté en fait. Et moi, petit souci de câble, j'ai l'impression que mon casque commence à décoller. Moi, que ce soit juste la connectique, auquel cas on ne panique pas. Alors. Armurier, bonjour. Allez voir Felindra, lol, au Ranch Palico, revenez, ok d'accord, très bien.
Non mais j'avais pas envie en fait. Non mais c'était une erreur. Je croyais que je... Non mais c'est cool. Ouais merci. Arme. Ah oui c'est vrai qu'il y a tout ce bullshit là encore. Oh Jésus, Henri Christ, fils de Dieu notre Seigneur tout puissant. Ça va être un problème. D'accord. Tu sais quoi, je vais te chercher des trucs, mais plus tard. Voilà. Toi, c'est toi le chef. Bonjour. Non, toi t'es la patronne. D'accord. Ok, oui. Prenez ce coupon. Ok. Merci madame. Non, c'est lui le chef. Peut-être chargé de quelques quêtes pour moi. Mais bien sûr, chaussure. Mettez-vous au comptoir des quêtes. Vous voyez cette jeune femme en uniforme qui est extrêmement perturbée. Elle tient le comptoir des quêtes du village. Allez, à voir pendant les quêtes d'entraînement. Ok. Commencez par les quêtes d'entraînement. Ça me va. Johanna. Bonjour à Kumekur, bienvenue dans la maison du bonheur. Ah, il me file du pognon carrément. C'est cool. Lâche-moi sous les boules. Je suis la demoiselle Verne. Ah, est-ce que tu es du coup la fille du chef du village? Auquel cas, ça peut poser un problème. Salut Yorel. Je m'en fous de l'histoire de ta vie, Josiane! Je m'en fous autant que les troubles psychologiques de mon dernier plan cul! Avance! Merci. Entraînement. La chaise pour les nuits. Ah! Il y a du monde dans la place. Il y a du monde dans la sepla. Hein, c'est... ok. D'accord. Il n'y avait pas le truc qu'il fallait que j'aille chercher un chacha, là, aussi. Pourquoi je peux pas courir? Ça commence à me perturber, par contre. Non. Et plus il a dit que c'était à droite ou à gauche les chachas. Je peux pas sortir. Pardon. Par ici peut-être. Partir en quête avec A. Ah, bon bah on va partir en quête. Il est temps de manger, c'est à vous de faire la cuisine. J'ai envie d'un barbecue. Traquer un larinote pour sa viande. Prépare-moi un steak en vitesse. J'ai faim. Ok. Dit comme ça, ça a pas l'air mortellement compliqué. Hein. Une tente vide. Un coffre. Un chemin. La chasse aux monstres. Le nouveau roman de Finstein. Un jour, je serai le meilleur chasseur, je relèverai tous les défis. D'accord. En base est votre refuge. La caméra se mène avec le stick de la caméra. Allez donc jusqu'à la boîte. On peut le faire. Boîte à fourniture. Des bords d'objets envoyés par la guilde. Vérifiez son contenu avant de partir en quête. Et voilà, ce qu'on a, prenez tout ce qui vous plaira. Bouton A, voir le contenu. Ok, je peux le faire! Possession d'une carte. Carte essentielle de chasseurs qui se respectent offre une vue d'ensemble de la région. Affiche les zones à l'écran. D'accord. Petit signe sur la carte représente votre position actuelle. Flèche se déplace, s'oriente en direction. Ok. Pour examiner le territoire de plus près, appuyez sur le bouton plus afin d'ouvrir le menu de jeu.
Faites un zoom avant dans la carte avec le bouton Y. Ok. On va trop vite, le chasseur trébuche. Vous laissez partir. Remarquez qu'il y a un conseil dans les menus de jeu où il y a les tutos. D'accord. Quittez le camp de base pour la zone. Donc. Zoom plus, Y. Ah, j'ai trouvé la touche pour me baisser. J'ai trouvé la touche pour donner un coup d'épée dans le sol et relever de la terre. J'ai trouvé la touche pour les temps de chargement. C'est pas moche. C'est pas Monster Hunter World, mais c'est pas moche. Attention, il y a un monstre. Maintenant que vous êtes chasseur, il faut aller à sa rencontre. Pour partager cette perle de sagesse. Peut-être qu'il ne connaît ni hâte ni précipitation. La craque est exception. D'accord. Vivant dans un monde effréné. Alors, excusez-moi, il faut que je... visiblement, il faut rentrer en mode Francis Cabrel. Nous vivons dans un monde effréné, peuplé de monstres frénétiques. Il faudra donc sprinter pour l'emporter. C'est la folie de l'homme qui pousse à la vitesse, là où s'épuiser sur le chemin. À côté de la rivière et près du roseau, serait tellement plus romantique. Pour ça, il faut maintenir le bouton R en vous déplaçant. N'oubliez surtout pas de ranger votre arme d'abord. Comment je range mon arme, Kevin? Sachez que vous ne pouvez pas courir indéfiniment. Oui, ça, ça se tient. Ok, oui, d'accord. Et... comment je range mon arme? Merci. Je sprint là? Oui, je sprint. D'accord. Je dois sprinter après quel monstre au fait? Bonjour. Excusez-moi, c'est vous le monstre auquel... ah! C'est lui. X pour dégainer l'arme. Rengainer, on va appuyer sur le bouton Y. D'accord. À un moment, vous pouvez expliquer différents types d'attaques. Pour l'instant, ces deux boutons devraient vous suffire à vous familiariser avec les attaques. X et A. A. D'accord. Bien sûr, les monstres ne laissent pas faire. Jauge de vie. Gardez un œil. Ok. Utilisez le bouton L. D'accord. Et moi, je regarde les boutons de temps en temps, mais c'est juste pour être sûr, parce que j'ai l'impression que je vais me chier dans un col. C'était ça le combat? Ok. DPC. Engainer l'arme, DPC. Ok. Il se passe un truc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas le dépecer? Ah. L'heure de dépecer, je vais vous aussi, consiste à livrer un steak à point. Cette feuille ne servira pas à grand-chose, vous devez la faire cuire pour avoir un steak à point. Ça se tient. Procession d'une Bosch Barbecue X. Pour cuire cette viande X, et cuire cette viande crue et juteuse X, et la rendre de façon comestible X. Donc, L plus A ou bouton Y, sélectionnez un objet. Vous n'avez pas trouvé plus chiant comme système? Pardon. Excusez-moi, hein, je vais faire cuire votre frère, j'en ai pour 2 minutes. Vous allez pouvoir essayer de cuire la viande. La viande crue ne peut pas être mangée, mais un steak à point en quelques secondes, c'est assez incroyable, je sais, mais attendez, c'est pas fini. Une petite mélodie vous indiquera que la cuisson a commencé. C'est tout dans le timing. La musique s'achève, votre viande change de couleur, appuyez sur le bouton A vite pour la retirer du feu. Ah, c'est bien ce bouton-là? Oui. Écoutez bien la musique pendant la cuisson. Ok, c'est un fucking jeu musical, je sais ce qu'il faut faire. Fuck!
Vérifier la couleur de la viande une dernière fois. D'accord. Je ne peux plus utiliser la broche BBQ. On fait comment? Est-ce que j'ai sérieusement foiré le tutoriel? Ah, c'est juste que j'ai plus de viande. Très bien. Ils sont où les Kevin? Ils ont déménagé. Ah! Allons voir en zone 2 si les Kevin sont là. Pardon. Ça, c'est à moi. Bonjour. Non, c'est parce que je... Pardon pour votre frère. Il avait l'air sympa. Ok. Il y a un gros truc qui nage dans le lac là-bas, je suis pas en confiance. Allons ici. Changement de couleur. Non. Non mais tu te fous de ma gorge, Kevin! On réessaye. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul, ça commence à me saouler. Bonjour. Ah. J'avais encore de la viande. Ah là, du premier coup. Du premier coup. En général, vous pouvez sélectionner les steaks dans la barre de jeu en appuyant sur Y. Ok, manger augmente la stamina maximale. Noted. Je crois qu'il vous faut une rendre. Vous voyez, elle m'a servi à cuire bien des steaks, j'y suis attaché. Vous pouvez en procurer une au village. Cool. Elle n'est pas donnée, mais elle vous préparera de produire de délicieux barbecue où vous soyez. Je pense que c'est un bon investissement. Noted. Retournez au camp de base, ne vous avisez pas de manger ce steak. Oui, ce serait un peu couillon. Donc. Notre camp de base, comme vous l'avez sûrement remarqué, une petite boîte rouge se trouve juste devant vous. Il s'agit de la boîte de livraison. Déposez la drogue là-dedans, si possible, cocaïne ou weed. Le reste ne sera pas accepté dans le premier temps. Plus vous avancerez dans le jeu, plus des drogues dures seront acceptées, type ecstasy, molly et compagnie. Ne consommez surtout pas la drogue que vous devez livrer, car toute drogue manquante sera déduite, naturellement, du prix de la récompense que vous aurez. Ok, ça se tient. Ça se tient complètement. Alors... oui, non, mais c'est bon. Je sais comment livrer un truc. Dernière chose concernant la livraison d'objets. Vous regardez dans votre bourse. Donnez-moi juste un instant. C'est bon, je regarde mes bourses. Ah! J'avais mal compris. Excusez-moi.
une instruction qui manquait, visiblement, c'était pas assez clair. Pardon. Le temps de remballer, du coup. Pardon. Ouais. Non, mais j'avais mal compris. En même temps, si vous auriez dit clairement tout de suite que vous parlez. Salut, Tisha! Il est possible d'indiquer le nombre d'objets à livrer. D'accord. Oui, ok, ça se tient. Possible de livrer des objets ou par le biais du menu du jeu. D'accord. Merci. Merci. Vous avez livré ce steak à point comme un pro. Je suis livreur chez Deliveroo. Ok. Si le cœur vous en dit, pourquoi ne pas entamer la phase d'entraînement suivante une fois de retour au village? C'est un peu de pratique, là. Ok. Bon. Jusqu'ici, c'est pas mortellement si différent d'un Monster Hunter World. À part que, effectivement, graphiquement, on sent que ça vient d'un jeu 3DS à la base. Mais sinon, on n'est pas si éloigné que ça. Je sens que les emmerdes continueront un peu plus tard quand il s'agira de chasser des vrais monstres. Mais ça, ce sera pas pour aujourd'hui, puisque maintenant, le planning de ma journée vient de changer un petit peu. Ouais, merci la quête succès. Je suis trop en train de kiffer ma race. Ah, qu'est-ce que je gagnais? Deux steaks, deux aiguisoirs, une potion, je dirais, à première vue. Ah, je peux le voir. Du miel, une potion, un steak à point, un autre steak à point, un aiguisoir et un autre aiguisoir. Merci, Monster Hunter! Maintenant, je suis vraiment aiguisé mes monstres et mes steaks. Ouh, j'ai gagné moult pognon, dites donc. Oui. Ah, ça me paraît une bonne idée, Tom Lapo, moi. Peut-être faire ça, effectivement. En tout cas, c'est vrai que graphiquement, c'est perturbant et ombrageux, je dirais. Parce que à la fois, il y a des trucs qui ont l'air un peu HDisés, et à la fois, tu sens quand même vraiment l'héritage 3DS par moment. Mais je sens que je peux peut-être m'y plaire. Surtout sur le fait de pouvoir y jouer en portable. J'y reviendrai. On aura de nouveau cette discussion. En attendant, YouTube, sois heureux que cette vidéo ne fasse que 32 minutes. A plus tard.